Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Prenez place, voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film Speak No Evil, un remake du film danois du même nom sorti il y a 2 ans. Donc on reprend la même histoire et on recommence, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'angoisse et frissons seront bientôt au rendez-vous. Le documentaire « Ma Calédonie à moi » du réalisateur Jérôme Roumagne a été diffusé le 7 mai dernier dans Itinéraire sur Nouvelle-Calédonie la première. Glenn, mon invité du jour, y a participé, on en parle ce soir avec lui. Enfin, à travers le documentaire Brad Pitt, La revanche d'un blond, vous découvrirez le parcours de cet acteur emblématique d'Hollywood dont l'image de sex-symbole lui a très longtemps collé à la peau. Et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite pour vous dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Speak No Evil. Louise, Ben et leur fille sont en vacances en Toscane lorsqu'ils se lient d'amitié avec une autre famille qui les invite chez eux le temps d'un week-end. Mais ce dernier va très vite se transformer en cauchemar. On regarde la bande-annonce. Je vous présente mon mari, Ben. Je m'appelle Patrick Field et voici ma femme, Kiara. Il faut que vous veniez nous voir. Le sud-ouest de l'Angleterre, je vous assure, ça vaut le coup. Ouais, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est calme ici? Ils ont des voisins au moins. Agnès, mon chou, il faut que tu manges tes légumes. On ne mange pas à la bouche ouverte. Je préférerais que tu arrêtes de dire à ma fille ce qu'elle doit faire. C'est interdit de critiquer les enfants des autres. Tu devrais t'excuser. Non, c'est rien. Je suis désolée, Louise. Louise? Et toi, t'as rien à dire. Thérapie par l'eau froide, les études prouvent que ça booste le système immunitaire. On n'a pas pris nos maillots. Ça fait rien, restez en sous-vêtements. Te cache pas, Louise. T'as un corps magnifique. Ah, c'est gentil. Je t'admire. Louise est une femme formidable. J'ai toujours voulu une famille comme la vôtre. Maman, je te dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Non ! Ça va pas ou quoi ? Je veux charger la voiture et je veux qu'on s'en aille. Oh non, ça c'est vraiment pas de chance. Je sais que tous les deux on peut être un peu... Un petit peu lourd. Ouais. Ils vont nous tuer. Quoi ? Ça a coupé. Maman ? Un thriller angoissant qui va vous retourner le cerveau. Autre sortie intéressante, le film Ma vie, ma gueule. On y suit Barbery Bichette, qu'on appelle à son grand âme Barbie. Femme, mère ou encore collègue, Barbie, tout comme toutes les autres femmes, a plusieurs vies dans une même vie. Mais en pleine crise de la cinquantaine, elle en a assez. Elle a besoin d'indépendance, de renouveau avant de repartir dans la vie. On regarde la bande-annonce. La nuit, je brille. Salut Barbie. J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature? Vous êtes Catherine Philippe? Non, alors c'est l'inverse, hein. C'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est l'inverse. T'as toujours tes cigarettes de connasse? T'es sûr que ça va, Barbs? J'ai jamais dit que ça allait. Comment vous vous sentez? Moche. J'aimerais rentrer chez moi, mais j'en suis même pas sûre. Ah bon? Faut que je reprenne goût à la vie. Vous allez me laisser partir seule, finalement? Tu sais que ça va aller. Turn this way. Oh, no, 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 you wanna go that way. You look like a scoot. You look like a movie star from the 50s. Fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant. Un film émouvant qui parle des relations filiales, de la dépression, de la vieillesse ainsi que de la mort sous l'angle de la comédie.
Ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. À noter que le film Speak No Evil sera projeté au Cinéan sur Koné le vendredi 20 septembre. Autre film à ne pas rater, About Last Night du réalisateur calédonien Lucas Klessen, qui avait en 2020 remporté avec ce film le Nautil du meilleur court-métrage Nouvelle-Calédonie la première et le prix CNC Talent au Festival du cinéma de la Foix. Eh bien, ce film sera projeté sur Calédonia dans votre toute nouvelle rubrique Calédonia Fiction. Pour la petite histoire, nous suivons deux frères, Jules et Thomas. Tous deux sont très différents. Alors que l'un ne vit que pour son travail, c'est-à-dire la vente d'alcool illégal, le second ne vit que pour la fête, mais un soir, tout va déraper. On regarde un extrait. Allô ? J'ai un groupe au niveau du quartier latin. Croisement de la ZRF. Ils veulent deux vodka et une raid. Fais-moi ça rapidement, puis après tu passes au 11 rue Jean-Rando. Le mec demande une bouteille de whisky. Ok, je démarre. Thomas ! Hé ! Reste avec nous ! Les gars, ils veulent te parler là-bas. Oh non ! Thomas, allez ! Jason veut te parler. Tu vois, y a rien de compliqué pourtant. Tu fais le gay, tu nous passes un coup de fil quand il arrive, et on s'occupe du reste. T'es pas capable de faire ça ? Ah non, mais c'est... Non, ça va les gars ? Ouais, t'inquiète. Juste Thomas qui nous disait qu'il fallait chercher les bouteilles. On était justement sur le point de partir. Ok, trop cool parce que ça commence à manquer là, quoi. Ok, bon. Ok. Putain, fils de pute. Un film à découvrir sur Calédonia le 23 septembre dès 20h55. Allez, sans transition, ce soir, j'ai la chance de recevoir Glenn Bernanos, une figure du tourisme dans la commune de Vaud, en province Nord. Ensemble, nous reviendrons sur sa participation au documentaire « Ma Calédonie à moi » du réalisateur Jérôme Roumagne. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Glenn, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Un plaisir. Alors, je le disais précédemment, tu es une figure du tourisme dans la commune de Vaud. Tu es passionné d'histoire et d'agriculture. Tu es d'ailleurs très actif dans la valorisation du patrimoine calédonien. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ta participation au documentaire « Ma Calédonie à moi » du réalisateur Jérôme Roumagne, je te propose que l'on regarde un extrait et on en parle juste après. Okay. Ici, on a 4 fois plus de chances de mourir en voiture qu'en métropole. Cambriolage à Rivière-Salée, le marché noir et le trafic de cannabis sont fréquents. Ces échauffourées ont fait 6 blessés par balles et par jets de pierre. An Australian man has died, mauled to death by a shark on a popular beach. Des jeunes détruisent tout en quelques minutes. C'est de la violence gratuite. Peur sur la ville d'affrontements violents. Des chômeurs en majorité canadiens. Les habitants sont pris en otage. Un détenu du camp Est est mort, tabassé. Alors voilà, c'est habituellement de cette façon qu'on parle de la Nouvelle-Calédonie, dans les médias locaux, nationaux et même internationaux. Et pourtant, avec ce documentaire, je vais vous demander d'oublier tous ces clichés que peuvent véhiculer les médias. Je vous invite à découvrir le vrai visage de la Nouvelle-Calédonie. Et ici, la réalité dépasse de loin les stéréotypes médiatiques. Je vous emmène à la rencontre de 3 Calédoniens, Marie-Rose, Glenn et Florence, qui sont le reflet de ma Calédonie à moi. Le documentaire « Ma Calédonie à moi » met en avant la diversité du peuple calédonien. Il est aussi question de l'identité calédonienne. Glenn, toi, tu es très attaché justement à la préservation des traditions pour tes enfants qui sont métis. Est-ce pour cela que c'était important pour toi d'y participer ? Oui, oui, complètement. C'est justement... L'objectif était de montrer ce côté-là aussi de la Calédonie, le métissage, de par mes enfants et voilà, toute cette richesse qu'ils ont en eux, de par leur métissage. Quoi. C'est quoi le métissage pour toi ? Pour moi, le métissage, c'est une grande richesse. Parce que avec les deux cultures, et c'est une grande force pour eux. C'est, comme moi, je leur dis toujours, vous avez deux cultures, je ne veux pas qu'il y en ait une qui domine l'autre. Mm-hmm. Ça va être votre plus grande richesse. Et puis, voilà, n'hésitez pas à les cultiver toutes les deux.
En fait, ils se nourrissent des deux cultures. Voilà, ils se nourrissent des deux cultures et ils participent aussi, aussi bien aux activités coutumières qu'aux activités qu'on mène au village. Quoi. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as vu le regard des gens évoluer au pays ? Par rapport au métissage ? Oui, par rapport au métissage. Oui, ça, y a de l'évolution par rapport au métissage. C'est vrai qu'à un moment donné, le métis, il a été un peu... il devait faire un choix. On lui a imposé de choisir un parti ou un autre dans la communauté calédonienne. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, non. Moi, pour ma part, je pense que lui doit s'affirmer en tant que tel, en tant que métis. On oui, fier de ses origines. Voilà, on n'a pas le droit de lui demander de se positionner obligatoirement d'un côté ou de l'autre. Mmh. Est-ce que tu penses qu'un film documentaire... peut avoir un impact justement sur la société. C'était un peu le but que moi je m'étais fixé, hein, c'était de, en acceptant de participer à ce documentaire, justement, c'était pour que, en espérant que les gens du pays s'approprient cette vision des choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais accepté d'y participer. Ta famille, elle, on la voit, elle participe donc également au film. Est-ce que c'était facile de laisser entrer les caméras chez toi ? Parce que c'est quand même rentré dans ton intimité. Oui, et puis c'est vrai qu'au niveau calédonien, on est assez cloîtré, assez fermé hein, sur ce sujet-là. On a du mal à faire rentrer, ne serait-ce que sur nos propriétés, des gens comme ça, surtout des caméras. Non, pour moi, qui suis depuis un moment déjà dans le mouvement du partage et de la découverte, ça ne m'a pas posé de problème. On n'en a même pas discuté avant avec ma femme. Ça a été logique, naturel. OK. Alors, Ma Calédonie à moi a été diffusée début mai dans Itinéraire sur Nouvelle-Calédonie, la première. 4 mois après le tournage, quel souvenir est-ce que toi, tu gardes justement de cette expérience ? Une expérience très enrichissante, parce que ça a permis de dire ce qu'on a sur le cœur. Mmh. Et tout en espérant de faire évoluer les mentalités autour de ce sujet, quoi. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant à vivre. Tu as eu des retours, justement, de tes proches par rapport à... quand ils t'ont vu dans ce documentaire ? J'ai eu des retours même de personnes étrangères qui m'ont envoyé des messages pour me remercier de ce qu'on a fait, de nous féliciter par rapport à cette initiative. Ça a été... J'ai pas eu de retour négatif, par contre. Mm-hmm. C'était... vraiment, les gens, de quelque bord qu'ils soient, ils ont apprécié le documentaire. Et toi, le projet fini, tu as apprécié aussi la production finie dès que le film est fini, dès que tu l'as vu, le montage et tout ? Moi, on était dans l'ambiance du tournage et tout ça, donc on n'a pas pu mesurer l'impact que ça pouvait avoir par la suite. Mais quand j'ai vu le documentaire, ça a été poignant quand même. C'est quelque chose qui accroche, quoi, tout en espérant que ça accroche les communautés différentes de notre pays. Quoi. Mmh. Alors, dernière question, Glenn, ta Calédonie à toi, elle est comment ? Ma Calédonie à moi, c'est... j'espère que un jour, on va arrêter de se différencier par ethnie ou par couleur de peau. Quand on aura franchi ce pas-là, je pense qu'on pourra faire un destin commun. Ce ne sont que des mots. Le destin commun, il a été fait depuis bien longtemps. Moi, je le vis depuis... nous, on le vit depuis 3 générations. Mon père, moi et mes enfants derrière. Donc, je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde se pose et puis réfléchisse bien à l'avenir du pays. Ce n'est pas en continuant à s'insulter, à se renier qu'on va avancer. Il faut aller les uns vers les autres et puis ne pas hésiter à aller découvrir comment l'autre vit aussi, aller en tribu,
que ceux des tribus viennent au village voir comment les gens vivent. Parce que généralement, c'est beaucoup des a priori que les gens ont. Le Kanak, il est comme ça, le Kaldosh, il est comme ça. Alors que quand on rentre dans un peu, on ne va pas dire dans l'intimité complète, mais dans une partie de l'intimité des gens, on a une autre appréhension après en sortant. Moi, je vadrouille partout, en tribu et tout ça. J'ai beaucoup d'entrées de par mes relations avec ma femme et puis sa famille. Et ben, quand on rentre et puis qu'on vit avec les gens, on a un autre regard. Merci à toi d'avoir été avec nous, Glenn. Merci. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent d'en apprendre un peu plus sur une célébrité, par exemple. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique, l'Infodoc. Après Jim Carrey, dans Jim Carrey, l'Amérique démasquée, Adrien Desnouettes et Thibaut Sève remettent le couvert et s'attaquent à un autre monument du cinéma américain, Brad Pitt. Ce documentaire retrace la carrière incroyable de l'acteur américain qu'Hollywood a longtemps considéré comme un sexe symbole et qui finalement s'est imposé comme un acteur à part entière. Allez, on regarde un extrait. What's the secret to being the sexiest man alive? Man, if I knew, listen, I don't know how that happened, that debacle. But I'm sure it's all evil, and I try to stay away from it. Une malédiction. L'acteur ne croit pas si bien dire. En 2000, 5 ans après son premier titre, Brad Pitt sera la première personnalité à être élu une seconde fois l'homme le plus sexy de la planète. It's the one you've all been asking for. Brad Pitt. Depuis Thelma et Louise, la Bradmania a atteint des proportions incontrôlables. La noirceur de ses derniers rôles n'a pas suffi à rompre le charme. L'acteur reste avant tout un objet de désir. I love Brad Pitt. I've loved you since my freshman year of high school and I want to meet you so bad. I think he's got a really cute nose. It's so cute. À l'écran, une scène sert toujours de prétexte à le déshabiller, l'inspecter sous toutes les coutures, comme si l'industrie s'empressait d'exhiber sa plus belle marchandise. What are you working on now? I'm working on a thing called the Fight Club. And tell me about that. I want you to hit me as hard as you can. What's it about? What? I want you to hit me as hard as you can. That's David Fincher directing, who directed Seven. It's about two guys who start this amateur boxing league for underprivileged youth and the woman who comes between them. Ah. But we twisted a bit. Ah, okay, 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 I got it. Shit, I lost it. Violent, malpoli, vulgaire. Fight Club trompe toutes les attentes. Le film est une comédie masochiste. Avec en guise de gag récurrent, la présence de l'homme le plus sexy du monde venu se faire casser la figure. Venu, surtout, faire connaître à ce corps parfait l'odyssée de tous ses états. Tabassé. Accidenté. Brûlé à l'acide. Soulagé de ses fluides. Douché de graisse. Troué. Seven était une tentative de l'abîmer. Fight Club est une réussite. L'acteur s'amuse comme rarement, renchérissant dans le trash et faisant barrage à la censure du studio, comme le dévoile David Fincher. This is Brad's idea, the rubber glove, where he kind of points in the background and says, you want to finish her off. And I remember the studio came back with saying, you have to get rid of that. It's like, there's no way. That is not funny. It is too awful. You had to put a rubber glove on her. I said, that was Brad's idea. Tell him. If you got a problem with it, you should call him. Le film se moque de tout, à commencer par Brad Pitt. Lui, le blondinet de 7 ans au Tibet, dont la présence narquoise s'affiche à l'arrière-plan. Lui, le corps de mannequin, à qui les posters tendent un reflet ironique. I felt sorry for guys packed into gyms, trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should. Is that what a man looks like? Self-improvement is masturbation. Lui,
le produit de consommation qui voudrait nous faire croire à sa révolte anticonsumériste. All been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. Avec Brad Pitt aux commandes, le film est une vaste supercherie, tenant plus de l'automassacre et du chambrage que du brûlot politique auquel on a voulu le comparer. Brad Pitt, un acteur cinéphile engagé qui est parvenu à s'émanciper des carcans du glamour. À noter que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 23 septembre dès 19h55. Enfin ce soir avec King Taz, retour sur un film culte, l'un des premiers à aborder l'émancipation des femmes à travers la danse. Je parle bien entendu du film Dirty Dancing. Allez, c'est l'heure de votre rubrique « L'envers du décor ». Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler danse. Hein? Mais attends, mais c'est pas une rubrique sur le cinéma normalement? Mais c'est un film qui parle de danse. Je vois pas le rapport. Si je te dis dirty. Ah bah ça va, je connais parler l'anglais, hein. Ça veut dire sale. Et dirty dancing? Danse, sale. C'est un film où les gens ils dansent et ils baignent pas après. Tu fais exprès ou Oh ça va, je rigole. J'ai jamais vu le film et entendu parler. Alors vas-y, fais péter les secrets de tournage. Dirty Dancing, ou Danse lascive au Québec, est un film musical américain d'Emile Ardolino, sorti en 1987. Eh ben l'engin, c'est bien vieux. On en parle du nom donné par les Canadiens ou... Et est-ce que tu sais que c'est une vraie histoire? Ah ouais. Le surnom de Baby, Jennifer Grey, n'est autre que le vrai surnom de la scénariste Eleanor Bergstein. Et figure-toi que c'est sa vie qu'elle a apposée sur ce scénario. Donc elle est vraiment partie en camp de vacances en faisant des danses en sous-sol et tout ça? J'en étais sûr. Quoi? Tu l'as vu le film? Non mais j'ai regardé sur internet là, il y a 2 minutes. Enfin bon. Enchaîne sur les anecdotes là. Ouais. On est d'accord, c'est un camp de vacances d'été. Oui. La production a eu beaucoup d'obstacles et un petit budget, 4 millions de dollars. Et avec une équipe de prod très novice et un an pour produire le film. Ah ouais, chaud. Manque plus qu'une invasion de sauterelles et puis on est bon là. Est-ce que tu vois cette scène là? Oui, classique. Devine la température de l'eau? Bah, je sais pas moi, je baigne pas en dessous de 28 donc je dirais, je sais pas, 20. 4 degrés. Madjan, mais ils sont fous! Les acteurs, ils ont accepté ça? En parlant des acteurs, ils devaient absolument avoir des compétences en danse. Le choix de Baby était un coup de cœur. En revanche, Patrick Swayze n'avait pas ça sur son CV. Il a pris des cours intensifs alors, le frère, là? Non, c'est juste qu'il ne l'a pas marqué sur son CV pour garder une bonne image de son métier d'acteur. Sacré Patrick! Et allez, une petite dernière pour la route, c'est lui qui chante et qui a composé cette musique dans le film. Tu es, c'est lui le vrai! Eh ouais, c'est la magie du cinéma! Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.